Salut tout le monde, c'est les pros. Je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur Minecraft pour vous montrer comment faire des escaliers mécaniques. C'est-à-dire que si vous avez envie de cacher des endroits et tout ça, bah, vous faites des endroits cachés. Donc pour ça, c'est pas vraiment très difficile. Donc je vais vous montrer un exemple. Hein. Ici, c'est pas fini. Hein. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai fait ici. Je m'appelle, ouais, c'est une map qui, ça fait longtemps que je suis pas retourné. Donc là, c'est un château. Dites-le-moi si un jour vous aimeriez bien que je vous fasse visiter. Voilà. Donc normalement, j'ai déjà fait une vidéo sur cette map. Allez, tout de suite, on va aller dans notre, enfin, on va parler de notre sujet. Donc pour la, pour ça, bah, on a besoin d'un truc. Facile, hein, donc torche, redstone, etc. Après, selon nos puissances, donc là je suis un petit peu, chargé. Je vais débarrasser quelques trucs. Hein. Voilà, je n'en ai pas forcément besoin pour le moment. Allez, on débarrasse de tout ça. Hop, voilà. Donc on a besoin que de ça pour l'instant. Donc ça, et après de les escaliers, j'ai oublié les escaliers, voilà. Après peu importe, hein, que ce soit des escaliers, des murs, est-ce que j'en ai du... Ouais, j'ai pas de glistone parce qu'il me faut du... Enfin, c'est pas du glistone, mais... Ah, attendez, je vais voir si j'en ai... Allez, allez, j'espère que je l'ai là. Ouh, il me paraît bien chaud. Si j'ai pas ça, je peux pas vous montrer ce qu'il faut faire. On va courir pour aller plus vite. J'espère qu'il y en a par ici. Sinon, je serai bien embêté. Ah non, 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 non. Allez, pour vous qu'il y en a, s'il vous plaît. Non, dans tous les coffres, il y en a pas. Je suis en panique, je suis en panique. Hop, on va se porter un petit peu sur la voisine. Est-ce qu'il y en a ce qu'il faut ici? Il n'y a pas de coffre! Il n'y a pas de coffre! Même chez les voisines, il n'y a pas de coffre. On va aller voir là-haut. Ah non, non, il n'y a pas, il n'y a pas ce que je veux. Il n'y en a pas ce que je veux. Est-ce qu'il y a d'autres pièces que moi, j'ai pas vu quelque part par là? Non, pour l'instant, non. Bon, je suis vraiment désolé, mes amis. Normalement, ça doit être un truc rapide. Bon, éviter de perdre du temps. Est-ce que je regardais par ici? Non, non, je n'ai pas regardé à l'entrée. Ou alors, il faut aller regarder dans le château. Ah, il y a un endroit que je ne suis pas rentré. Est-ce qu'il faut vraiment ce que je cherche? Parce que sinon, ça... Parce qu'en fait, c'est pour coller, quoi. Allez, remontez là-haut. Donc, du coup, tout à l'heure, je vous dis que je vais pas montrer dans le château. Bah, maintenant, bah, vous allez visiter en même temps. Hop, allez. Voilà, on a réussi de, on a réussi à rentrer. Pourvu qu'il y en a dans ces coffres. Pourvu qu'il y en a dans ces coffres. Hop. Non, 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 ils ont décidé de tous partir au voyage. Ah, boule de slime. Voilà, bon, on a trouvé la boule de slime, donc maintenant, plus de panique. Donc ici, vous voyez, bref, hein, pour l'instant, on n'est pas monté tout là-haut. Ah, je suis sauvé. Voilà, on peut y aller. Donc avant tout, je vais d'abord vous montrer quelques exemples qui étaient déjà faits. Donc ça, voilà, ça fait une espèce de truc comme ça. Voilà. Après, c'est quelques avec quelques manipulations, vous pouvez y arriver. Hein. C'est pas très très difficile à faire. Voilà, ça c'est l'exemple que j'ai fait. Mais bon, c'est pas tout. On va regarder ici. Donc là, regardez ce que je suis en train de faire. Regardez derrière, c'est pas, c'est ni vu ni connu. Hein.
Voilà, avec la demi-heure, ça ne voit pas du tout de ce que je fais. Si on regarde bien, si on regarde bien, il n'y a rien autour. Voilà, on peut marcher, on aperçoit qu'il y a des tapis. Voilà, on va pas dire qu'il y a quelque chose qui est caché par là. Mais si, 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 regardez bien. Ah, vous entendez un petit truc là? Vous entendez? Ouais. Bon, je pense que oui, vraiment, j'ai déjà montré auparavant, mais j'ai pas expliqué comment le faire. Donc voilà, le petit. Ici, c'est pas fini. Normalement, c'est censé être mon labo. C'est vrai que j'ai abandonné cette map il y a très très longtemps. Voilà, ici normalement c'est censé être mon labo, vous avez vu. Donc je vais vous montrer. Donc là, en fait, il n'y a rien. Il n'y a pas de. J'ai vraiment réfléchi à le faire. Hein. Voilà, il n'y a pas de. Il n'y a pas de cours ni câble électrique. On ne le voit pas du tout où ça passe. Hein. Voilà. Là, c'était ouvert. Maintenant, hop. Plus rien, plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. C'est magique, on voit plus rien. Donc tout ça, c'est avec l'imagination. Hein. C'est vrai qu'il y en a qui peuvent mieux faire que moi. Je vous rappelle que je suis sur PS4 pour les gens qui posent la question. Je suis sur PS4. Donc allez, tout de suite, on va faire un démo très rapide pour commencer. Donc il faut. Hop. Est-ce qu'on a un truc? Ouais, voilà, c'est bon. Pour les pistons. Allez, on va aller tout de suite ici. Donc, on a besoin des pistons comme ça. Donc, pour que ça marche bien. Ensuite, allez, on va prendre au hasard, hein, au hasard. Après, ouais, c'est avec le temps qu'on apprend à bien faire, on va dire. Et donc, pour l'instant, je vais prendre, voilà. En fait, il faut se rendre compte que plus vous utilisez. Attendez, ah non, mais on n'a pas besoin d'enlever ça d'ailleurs. On n'a même pas besoin d'enlever des lumières parce que. Il faut se rendre compte que plus on a de distance, plus on a besoin de plus de puissance. Donc, pour avoir plus de puissance, il faut beaucoup, beaucoup de. Comment dire il faut. Là, il me manque hein, des répéteurs. Il faut beaucoup de répéteurs pour avoir plus de puissance, mais les bougies en général c'est pour faire clignoter, mais c'est pas ce qu'on a besoin aujourd'hui. Donc là, on va dire c'est câble électrique, hein, ce que je suis en train de distribuer, ce sont des câbles électriques. Voilà, donc ici, voilà, on va faire ça comme ça. Alors, vous avez deux choix. Soit vous avez bouton, on va dire un levier, soit vous avez un bouton. Bouton poussoir. Donc, dans tous les cas, voilà. De toute façon, dans tous les cas. Et pour monter, vous faites normalement ce qui est classique. On met comme ça. Pour être classique, on le met. Pour les classiques, on le met comme ça. Hop. Attendez que je ne mets pas l'envers. Pour les classiques, on le met comme ça. Tout ce qui est, par contre, tout ce qui est. Pour monter, hop, voilà. Donc vous pouvez mettre dans tous les sens, hein. Dans tous les sens, vous pouvez le mettre, voilà, comme je vais vous montrer là. Donc ici, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, voilà. Ensuite, le bouton, hop, on a besoin de rien. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est monté. Donc là, si je vais rajouter, il y a un squelette quelque part. Donc là, si on met un escalier, par exemple, voilà, donc cet escalier-là, il va te coller dessus. Hop, voilà. Donc, ainsi de suite. Et pour faire exactement de tous les escaliers qui ont le même, comment dire, qui aura le même montant. Hop, par contre, il y a un squelette qui va me gêner là. C'est pas grave. On va l'ignorer, je sais pas du tout où est-ce qu'il est. Voilà, il est en dessous, je sais pas. Hop. En tout cas, il est quelque part. Bon, enfin bref, et pour que ce soit les escaliers, après oui, ça dépend des hauteurs, hein. Ça dépend des hauteurs que vous mettez votre. Donc voilà, comme ça. Ah mince, j'ai loupé. Hop,
Les escaliers, là c'est pour les escaliers, plus précisément c'est pour les escaliers hein, que je vous montre. Et après, ouais, vous pouvez faire pour le mur, etc. etc. Donc, plus vous montez des marches, plus vous doublez. Par exemple, si vous avez des marches, par exemple, qui sont comment dire, qui montent, donc évidemment, vous doublez votre. Et par contre, il faut toujours décaler. Hop, mauvaise manip. Vous décalez d'un cran, enfin même de deux crans, parce que, enfin d'un cran, je pense. Parce qu'après, ouais, je sais pas si ça. On va tester. Est-ce que ça marche avec la même puissance ici? Voilà. Donc, après, oui, il faut doubler, comme je dis, il faut doubler. Plus vous montez des marches, et plus, en fait, après, vous avez besoin de puissance. Vous avez besoin d'avoir quelques idées pour avoir des courants au-dessus. Donc là j'ai mis comme ça et maintenant ben, il faut rajouter. Est-ce que j'ai rajouté des... Non, ici on n'a pas besoin d'escalier, on a déjà un exemple. Donc ça on a besoin ici. Donc pour chaque bon là je suis trop près. Je vais essayer comme ça. Hop, hop. Voilà, c'est actif. Et celui-là, ben, je suis trop près, donc je suis obligé de faire une petite manipulation pour que, comment dire, pour que ce soit pas collé. Donc je peux dévier comme ça, ainsi de suite. Ça c'est le premier, hop, voilà, le deuxième, et ça, ben, le troisième, hein, on va faire comme ça. Voilà, donc là il manque de puissance. Qu'est-ce qu'il faut pour rajouter des puissances? Donc on va rajouter un répéteur, tout simplement. On va ajouter un répéteur qui est pas très puissant, mais voilà. Vous avez vu, il y en a deux qui s'activent d'un seul coup. Mais par contre, là, je suis trop près. Il faut que je recule. Voilà. Est-ce que je peux mettre ici? Ouais, je pense que je peux mettre ici. Voilà. Voilà. Vous avez vu les techniques un petit peu? Donc, plus vous rajoutez de répéteurs, plus vous avez des puissances pour après ici, ouais, ici pour activer ici. Ah non, je me suis trompé encore une fois. Hop, on va le casser. Hop, voilà. Celui-là, il faut que je recule. Pour que ça marche, il faut que je le recule. Mais bon, ça ça fait pas partie du programme, hein. Celui-là, c'est pour le mur, donc. Je peux le mettre ici, hein, si je veux, je peux le mettre ici. Hop, il faut toujours se mettre devant, pas dans les sens où vous voulez mettre, dans les sens où vous voulez le mettre. Donc là, il nous manque des puissances. Comment ça se fait? Donc si j'en rajoute un répétiteur ici, est-ce que ça va marcher? Ouais, voilà. Donc plus on rajoute des répétiteurs, plus il y a de puissance, vous avez vu? Donc, et puis derrière, comment je vais faire pour prendre derrière? Donc, il faut juste rajouter, voilà, il faut pas oublier hein, de décaler à chaque fois. Voilà, c'est un petit, ouais, c'est vrai que j'ai pris du temps hein, c'est vrai que ça a l'air simple comme ça, mais faut vraiment le temps. Hop, ici, j'ai mis un petit peu. Vous avez vu, il faut pas que ça colle, il ne faut pas du tout que ça colle. Donc c'est très difficile. Des fois, il faut trouver un moyen pour bien le faire circuler, pour éviter que ça colle. Donc ici déjà, là je suis trop près. Ici je peux enlever. Hop, voilà. Et voilà. Voilà. Derrière, ça fait ça. Ici, je peux faire comme ça. Mais par contre, ouais, il faut rajouter un répétiteur encore une fois à ce niveau-là, hein, pour qu'on soit bien d'accord à ce niveau-là pour avoir une meilleure puissance. Voilà. Donc ces deux-là, ils sont alimentés évidemment, mais je suis trop près, donc là je peux continuer sur quel côté. Donc ici, je peux continuer peut-être tout droit ou par là. Si j'enlève ça, est-ce que ça va donner l'impression d'être
Meilleur que tout à l'heure, voilà, ça. Ça déjà, il faut toujours aller dans le sens où, on va dire, c'est pas trop près de... Donc ici, est-ce que ça va coller? Ouais, évidemment, ici, ça va coller. Donc, ou alors, ouais, attendez, je vais essayer de faire ça. Ah oui, ça va coller aussi. Donc, il faut toujours avoir, un espace. Faut toujours avoir un espace hein, pour hein, un bloc de moins, toujours laisser un espace entre deux blocs. Donc ici c'est bon. Ici je peux continuer comme ça. Hein. Ah non, attends. Comme ça. Hop. Voilà. Ici c'est bon. Et ensuite pour ici pour le milieu. Donc ici si je veux l'éviter, ouais, il faut vraiment que je trouve un moyen pour l'éviter. Mais bon, normalement c'est pas très compliqué. Donc voilà, normalement ouais. Par contre ouais, pour celui-là, il faut si je mets comme ça, non, non là ça fait un peu de circuit là. Est-ce que je peux aller plus loin? Parce que là si je mets comme ça va être trop près. Parce qu'on peut pas le brancher n'importe comment, hein. On peut pas le brancher n'importe comment. Donc à chaque fois que vous voyez que ça fait un petit peu noir, enfin. Pas très clair, il faut rajouter répéteur, pardon. Donc le répéteur, ça donne plus de puissance. Voilà. Donc ça donne ça. Voilà. S'il y a un escalier, attendez, je vais monter là-haut. Est-ce que je peux monter là-haut? Je vais mettre la lumière quand même au cas où il y a un truc qui va spawner. Voilà. Voilà. Donc ici c'est activé, là c'est activé. Si je monte là-haut, est-ce qu'il y a de la terre par là? Il y a de la terre. Hein. Voilà, est-ce que je prends la terre plus haut? Voilà ça. Je vais monter pour mettre l'escalier. Voilà, après vous pouvez rajouter de la terre hein, vous pouvez rajouter de la terre pour monter les fils enfin du redstone. Donc ça donne ça voilà donc ça donne ça et après oui c'est à vous de savoir à quel moment vous allez vous arrêter. Ah, pourquoi ça reste bloqué? Parce qu'il n'y a pas assez de puissance ici, donc il faut rajouter de la puissance. Est-ce que ça va remonter? Ah non. Ah oui, j'ai mis mauvaise piston. Bon, en tout cas, j'espère en tout cas que vous avez bien compris, mes amis, parce que le piston, oui, j'ai pas mis le bon piston pour amener. Attendez, je vais vous montrer une dernière fois hein, pour que ça sache, pour que vous n'allez pas dire que je suis un menteur. Normalement, c'est celui-là qu'il faut mettre. Hop, voilà, je vais mettre. Là, c'est parce que j'ai mis un mauvais piston. Et voilà, normalement, ça devrait. Voilà, il y a un bug. Ah oui, qu'est-ce qui se passe à part ici? Ou alors c'est ça qui bug, qui fait bugger. Enlever ça. Voilà. C'est bon. Ah ben voilà, ça ramène. Vous avez vu à droite, voilà, ça ramène. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ici, on n'a pas boule de slime, ça se voit. Hein. Celui-là, ça fait que pousser. Il peut pas ramener. Par contre, avec le boule de slime, moi, il peut pousser et ramener. Voilà, vous pouvez le faire avec n'importe quel objet. Hein. Avec n'importe quel objet, vous pouvez le faire. Par exemple, là, je vais prendre un mur, un brick. Voilà, normalement, ça va ramener. Et voilà. Hop. Voilà, c'est pas compliqué, hein. Mais en tout cas, mes amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en regardant cette vidéo. N'hésitez surtout pas de cliquer sur like, de faire partager. Et puis, pour toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner
Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!